1970. John Nitsch, journaliste américain, est envoyé comme correspondant au Chili. Sa mission, être le témoin privilégié de la voix chilienne du socialisme, de l'unité populaire menée par Salvador Allende. Ce livre est basé sur beaucoup de recherches. Il contient beaucoup de données historiques. Ce que les personnages disent est vrai. C'est tiré de livres, de films, de magazines d'époque. Le noir et blanc s'imposait clairement sur cette BD, pour travailler sur la nostalgie de l'époque. Avec l'aide de Miguel, chauffeur de taxi, et Claudia, militante radicale d'extrême gauche, John va suivre les 1000 jours du tourbillon de la présidence Allende. L'émotion, les tensions de l'époque, la quantité des événements qui se produisaient jour après jour, la foule d'informations sont liés directement à cette histoire. Ils ont touché tout le monde. Réforme agraire, nationalisation des mines de cuivre et des banques, ces événements seront scrutés par le monde entier et notamment par les États-Unis, inquiets de voir leur influence dans la région diminuer. Je crois que cette histoire est encore en train de s'écrire. Ce roman graphique parle beaucoup du présent, de la situation actuelle de notre monde, de notre culture. Complot, attentat, grève massive, tout sera fait pour isoler et acculer le président Allende. Dans ce roman graphique de 123 pages, John sera pris dans le tumulte de cette histoire jusqu'au coup d'état militaire et la mise en place de la dictature d'Augusto Pinochet.